Index a besoin de vous. On vous explique. Reculez là! Reculez! Des quartiers populaires à la répression des mouvements sociaux, les violences policières continuent d'augmenter en France. Elles font toujours plus de morts, de mutilés, de blessés. Elles entravent les libertés fondamentales et renforcent les discriminations. Pour autant, l'État se refuse toujours à agir et persiste à nier l'existence même d'un problème de fond. Voilà pourquoi on a créé Index, une ONG d'investigation à but non lucratif, dont la mission est d'enquêter de manière indépendante sur les violences policières en France. Depuis 2020, nos enquêtes ont permis d'éclaircir 10 affaires emblématiques des violences policières, de la mort d'Adama Traoré à celle de Naël, en passant par la noyade de Steve Maya Canisso, l'éborgnement de Jérôme Rodriguez ou celui d'Adnan Nassi. Nos travaux permettent d'établir les faits de manière objective et de soumettre la version des autorités à une vérification rigoureuse. Mais notre action ne s'arrête pas aux enquêtes vidéo qu'on publie en tant que médias d'investigation. En coulisses, il y a tout le travail qu'on produit à la demande de victimes de violences policières, de leurs familles ou de leurs avocats. Aujourd'hui, Index est la seule structure en France à offrir des services d'expertise indépendante accessibles à tous. L'impact de ce travail est concret. Réouverture d'enquêtes classées sans suite, information de non-lieu en appel, ou remise en liberté d'individus accusés à tort. Chacun de nos rapports fait obstacle aux mécaniques du déni et de l'impunité qui caractérisent les violences policières. Aujourd'hui, Index a 3 ans. Et plus que jamais, on a besoin de vous pour continuer d'exister. Si on ne réunit pas au moins 30 000 euros d'ici la fin de l'année, on sera contraint de tout arrêter. Parce qu'on touche à un sujet politiquement inflammable, on ne peut compter sur aucune subvention publique ni sur le soutien des grandes fondations. En vérité, pour mener cette action, on ne peut compter que sur vous. Pour nous permettre de continuer en 2024, on a besoin de votre soutien. Quel qu'en soit le montant, faites un don à Index.